partout, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon, faut charbonner pour faire un tas de sous. Hey, je sens une aura maléfique qui approche. Quoi? Ça va? Ah, bonjour Riz. Ça va Alia? Tranquille et toi? Oui, tu vas bien, j'ai pas pris de douche. Ah, c'est pour ça. C'est qui ça encore? C'est les nouveaux Rookies. C'est les nouveaux. Comment tu t'appelles? 26. Comment tu t'appelles? Ah 26. Riz, ça va. Riz, quand même. Comment tu t'appelles? Zoé. Comment tu t'appelles? Mais Zoé. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jake Walker. Il est obligé de t'appeler Rookie. Arrêtez de me pousser. Comment tu t'appelles? Ah, lui. Hey, Dave O'Chain. Qui? Dave O'Chain. Ok. Bah, bienvenue. Bah, du coup, messieurs, dames, je présente 113, officier 2. Dis leur mon palmarès, dis leur mon palmarès comme ça, ils savent, s'il te plaît, dis leur mon palmarès. Allez-y, allez-y, non, non, j'aime bien quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Moi, j'aimerais bien savoir où est le palmarès surtout. Alors, écoutez, vous avez l'agent qui gère. Ah, il y a un individu. Attendez, je coupe ma radio. Vous avez l'agent qui gère du coup le pronote de tous les quartiers. Il fait l'appel tous les jours dans chaque quartier. Arrête de rire, s'il te plaît, arrête de rire. Vas-y, continue. Il a l'identité de chaque membre de quartier. Ouais. Il a été très utile lors de l'enquête sur Cube et Epsilon. Il a participé à l'arrestation du chef d'Epsilon. Quand tu dis participer, tu penses à combien de pourcents j'ai participé? À Soc. Et votre infiltration? Ah non, quand même, vous avez une belle infiltration. Merci. Non, un bon 80%. Merci. Après, il y a quand même beaucoup les Mayans, de ce qui a été fait. Les Mayans. Ah ouais. Les Mayans sont là. Oui, non. Ah, les Mayans, peut-être qu'il est 110 ans. Mayans, les Netas. Les Mayans, on va vraiment parler du cas Andrel. Il a fait quoi? Non, ouais, on va parler du cas. On parle vaguement du cas Andrel. Tu peux en parler vaguement, voilà, les Netas, c'est fini. Quoi. Voilà, il a arrêté le chef des Netas. Tijuana. Et malheureusement. Tijuana aussi, le cartel de Tijuana. Fuentes-Blanca, tu te rappelles? T'étais là ou pas à la Fuentes-Blanca? Non, Tijuana. Ouais, au parking. En gros. Allez-y, vantez-vous, 113. Moi, je parking. Non, je suis pas un vantard, moi. Moi, je suis pas dans. Ça va, des chevilles. Prenez juste pour votre ego. Ok, du coup, 12, allez-y, présentez-vous. Parce que ça tombe bien. Ah, je présente 12 officiers 2. Et voilà, je voulais savoir, je fais partie de la GND. Membre confirmé de la GND, et voilà. Enchanté 12. Du coup, 93, je vous présente votre officier formateur pour cette semaine. 113, tu veux pas de rookie? Je veux pas de rookie, non, je veux pas de rookie, non. De toute façon, je suis de la GND, okay, moi. Top. Et du coup? Bah, il y a une délire que 12 aussi. Ah, 12, oui, mais 113 part tout le temps en GND. C'est ça, quoi? 113 c'est Omnigène des non patrouille. Bah, je sais pas, tu m'appelais du coup, j'étais au parking. Ok, bah écoutez, 12, 93, vous pouvez partir en patrouille. 48 et. 11, si, allez, une rookie, patrouille. Non? Pourquoi tu dis une et pas un? Pour les deux derniers, ouais, je pense que c'est une espèce de sale bandeur. Ouais, yep. 48, 2 secondes, je vais voir. Du coup, c'est qui mon formateur? Vous pouvez sortir une voiture, s'il vous plaît? Si vous savez comment. Allez, bonne chance les rookies. Qu'est-ce qu'il y a? Merci jamais. Quoi, il pleut? Quoi? Pourquoi il pleuvait juste pendant une seconde là? Non, je vais pas prendre de rookie. Ouais. Va mon grand. Attends. Tu peux nous rendre service ou pas, s'il te plaît? Bah, ça dépend, ça dépend. En bref, l'auto-école, elle est fermée. Impossible de prendre rendez-vous. On nous a dit qu'il était possible de prendre rendez-vous avec les flics. C'est vrai ou pas déjà? Qui t'a dit ça? Ouais, c'est pour les permis de conduire. Je peux te mentir, c'est sûr que quelqu'un m'a dit ça. Ben, je crois que les flics n'ont rien à voir avec l'auto-école, mon grand. Ah oui, mais moi aussi, mais pourquoi alors on nous a dit ça? Bah, je crois qu'on t'a menti. Hein. Après, demande peut-être, parce que peut-être tu es pas au courant, mais ça m'étonnerait qu'il y ait un lien entre les flics et l'auto-école. Un gars comme toi n'est pas au courant, tu viens de dire. Tu dois savoir. Ah, moi, je suis. Non, vraiment. Ok. Bah écoute, c'est pas grave, merci quand même. Désolé, bon courage. Mais attends, frère. C'est pour qui le permis? C'est pour nous. Eh ben c'est pour nous deux. Donc et attends, donc là vous conduisez la voiture, là vous avez pas le permis? Non, mais... Attends, mais je vous ai vu descendre de la voiture là, de mes yeux. Non. Oui, parce que le conducteur il est rentré dans le poste, sûrement il est parti se renseigner. Ah ok, d'accord, ça marche. T'es trop stylé toi. C'est vrai? Ouais. Merci, t'es stylé, j'aime bien ton dégradé. Merci. Ben... Quoi? T'aurais pas des cartes graphiques? Non, j'ai pas de cartes graphiques. Moi j'en bouffe à toutes les sauces. Super. Eh ben regarde, je te tire la joue.
C'est bon. Ah mais qu'est-ce que tu fais? Mais allez, arrête. Allez mon grand. Allez, ciao les Japonais, vivez à vos occupations. Merci. Au revoir. Au revoir. Oh, dis-lui qui se mine. Ouais, oh. C'est qui? Bah, je crois que j'ai pas de... Attends. 113, prise de service, bonjour. Bonsoir, 113. C'est quoi, bonsoir. Hein. Attends, je prends le capitaine en copilote. Oui, capitaine. Bonsoir. Vous êtes où? Oui. Actuellement en convoi, vous voulez venir? Oui. Pacific Bank, maintenant. Pacific Bank, c'est la grande banque. Vinewood. Vinewood, ouais. D'accord, j'arrive tout de suite. Un topo arrivé sur place. Okay. J'arrive tout de suite. Oh, d'ailleurs, nouveauté. Vous avez vu, à chaque fois, je devais me give de l'argent et c'était chiant. Parce qu'en gros, ils m'ont filé un budget. Quand on dit un budget... Aïe. Tango 06. RAS sur les... D'ailleurs, nouveauté. Vous avez vu, à chaque fois, je devais me give de l'argent et c'était chiant. Donc du coup, maintenant, regardez. J'ai une carte bleue MCD. Comme ça, au moins, j'ai plus besoin de me... Et d'ailleurs, j'ai une carte d'identité aussi qui m'appartient. Qui était dans le replace en train de se masquer juste en face de nous. Comme ça, j'ai plus besoin de me give. Et genre là, il y a vraiment un compte avec de l'argent qui est envoyé dans la MCD. Et au moins, je peux me rembourser quand je vais m'acheter des véhicules ou des habits. Tu vois, au lieu de me le give et que ça soit trop moche. Circulez, s'il vous plaît, là, depuis chez vous. Bonsoir. Bonsoir. Direction centre des sorts, les amis. Ah ouais, pour le Rebla. Ça tourne autour depuis tout à l'heure. Aéroport Sandy Shore, c'est parti, messieurs. On transporte quoi là? Bonsoir, Young Fu. Je suis tout seul dans la voiture, moi, y'en a pas un qui monte avec moi? L'un dedans là. On a pas envie de fouiller pour rien. Personne ne monte avec moi? On est tous en Adam, je crois, Riz. Reste en électron libre autour du convoi. Utile? Ah non, vous êtes deux. Bah, je conduis moi. Reste autour du convoi en électron libre, s'il te plaît. Vas-y, c'est bon. On va où là? Aéroport Sandy Shore. Vous êtes quelle radio? Une. Ok. On transporte quoi? Des fonds financiers. Ok. Déjà? On a un otage dans le coffre. On a un otage dans le coffre. Alors, on a deux otages. On a deux otages. Prendre votre temps, on va négocier. Allez vite! La Pacifique là. Je peux descendre aussi. Ouais, je vois ça. Ils ont pris la gosse en otage là? Ok. L'ensemble des agents, venez au niveau du trottoir s'il vous plaît. On est arrivé dans le feu de l'action! On n'a pas le temps de se faire chier là! Tom 0, on arrive dans 2 kilomètres. L'autre, capitaine, l'autre. Oui! Ah bah on n'a pas perdu de temps, hein! Comment? C'est police et voleur. Capitaine, c'est vite, hein! La police voleur, ouais. C'est ça. T'es à 70, 10, 20, s'il vous plaît? Actuellement, on se fait. Des agents sont fait prendre un otage sur le convoi de fond. Sur ma demande de backup là, si vous pouvez venir, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un agent à l'arrêt? Du coup, c'est qui est en charge de négociation là chez les SPD? C'est le lieutenant 70 qui va se charger des négociations. 70, t'es où? T'es où 70? J'ai besoin d'un agent derrière. Barry, elle a 28 ans par contre, c'est terrible. Ok, bonjour, comment allez-vous 70? Ça va très bien ou? Ça va, nickel chrome. Du coup, je suis intéressé par ce qu'il y a dans ce petit véhicule là. Ah bah, moi je vais voir qu'il y a combien. J'aimerais le prendre en. J'aimerais prendre ce qu'il y a Le replay et la jugular continue à tourner. C'est 3 vies, si possible. 4 Tango 09, on arrive sur le backup. 06, on est en route aussi. Mais y'a rien. Tango 0, on est là. Cependant. Allez-y. Mais capitaine, y'a rien dans le Brinks là. Elle est où la thune? Hein? On a déjà fait deux arrêts à deux banques différentes là. Mais là y'a plus rien dans le camion? À trois banques du coup. On a fait je sais pas, moi j'ai pas vu ce qu'il y avait dedans, mais on s'arrêtait à la place des cubes, on s'arrêtait à la Pacifique. Et alors voilà, là je sais pas s'il y a plus rien, c'est bête. Hein. Et vous étiez pas fait braquer là jusqu'à maintenant? Non, pas du tout. S'il vous plaît, un agent sur la PO de la Brinks qui m'appelle un mécano, s'il vous plaît. Mais je répète, mais il y a plus rien dans le camion là, hein, je crois. Mettez vos gilets, les gars. Oh, mais il y a plus rien dans le camion. Mettez bien votre gilet. J'ai regardé l'arrière, je voulais récupérer l'argent. Par couteau, vous emmène dans le camion. Attends, mais s'il y a plus rien. Tu sens mis des barrières. Oui.
Que ça moi ? Oui, mais le problème c'est que là il y a des agents qui en otage. Vous êtes en infériorité. Vous voyez ce que je veux dire ? En supériorité, pardon. Il y avait une lingot d'or, un 330 petit lingot d'or. Faites pas de mal à la gosse. Ce qui va se passer, je suis ton ombre, t'inquiète. Eh, s'il vous plaît, les agents, là, mettez-vous en place, là, ça ressemble à rien. Mettez-vous en place, placez-vous bien, prenez, mettez-vous bien autour, encerclez la zone, faites circuler les véhicules, là, mais arrêtez de faire les imbéciles, s'il vous plaît. Pourquoi je mets des barrières de sécurité, là. Oui, Marie, affirmatif. T'aimes bien le thé, Marie? Écoute, on n'a pas le choix, madame. Patientez un peu, s'il vous plaît. Je veux trois agents de chaque côté, s'il vous plaît. Le thé chaud, les tisanes et tout. Il y a des barrières, je veux trois agents, pas collés en tas. Bien séparés, passer sur les barrières, merci. Ma barbe, elle me gratte. Dans le coffre, j'ai que des bubble tea et des bubble. Je commence vraiment à avoir une trop grosse barbe là. Excuse-moi, vous pouvez faire un recap de la situation s'il vous plaît? Ben on se fait braquer là je crois pour l'instant, c'est tout ce que je sais. J'avoue que j'en sais pas plus. Capitaine en otage. Ça va Marie? Ils ont pas capitaine en otage. Non, 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 non. C'est la petite fille, elle m'a dit qu'elle était capitaine. Mais jamais de la vie. Aucun bénis ne répond. Okay, super. Affirmatif, on va reprendre les négociations du coup. Ok, les mécanos arrivent avant tout. Affirmatif, les mécanos vont arriver d'ici peu. Eh, vous voulez pas que vous voulez pas un peu décaler vos véhicules là parce que là on comprend rien à ce qui se passe s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai. Si c'est possible. Enlevez les deux véhicules de la flic. Ouais, si vous bah, attendez, on décale celui de devant, attendez. Parfait, merci 39. Avec du plaisir. Décaler lui aussi. J'ai une réelle. Ouais, écoutez, je pense que vous connaissez pas, okay. Pas mon boss là. Vraiment, j'ai une réelle à tout question. Moment, si je lui donne pas ces putains de lingots d'or, c'est bon, un mécanisme. Il flingue ma que famille et ma petite fille. Vous comprenez? Mais y'a plus rien dans le camion. Y'a plus rien dans le camion. Comment ça, savoir, pardon, hein. Comment ça, y'a plus rien dans le camion? Bah, j'ai regardé dans le coffre du camion, y'a plus rien. Pardon? Je te jure. Si, c'est bon, c'est bon, Riz. Vérifie, mais là, c'est bon. C'est bon. Ah ouais? Ok. Ouais, vérifie. À la radio, y'a un poussin. Et le poussin pi ou et le poussin pi. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, en effet, j'ai rien dit, j'ai mal regardé. Non mais de votre côté, vous, vous allez pas perdre votre travail, tout va bien se passer. Moi, je vais récupérer mes agents et les milliardaires derrière. Des informations qui... Ça, au pire des cas, vous aurez seulement perdu 300 millions de dollars environ, seulement. Ça arrive. Bon, on attend un petit mécano et après... C'est pour le bien de la vie. Je recule. C'est qui ta maman? Voilà. Mécano ? Ouais. On enlève juste les barrières. C'est ça. Le mécanicien est arrivé. Si on n'était pas là. Non, je les ai mis. Je les ai enlevés, mais Lego. Mais là, je crois que c'est des gros Lego d'or. Venez. Quelqu'un pour l'accompagner ? Ouais. Vas-y, ils ont reçu, chargez-vous. C'est pas des petits. Au mitard. Non, non, ici. Ah, voilà, voilà. Entre les deux véhicules. Il y a des blas blancs qui viennent se poster là-bas. Le véhicule de braqueur, des preneurs d'otages. Il est vers où là? Venez. Il va se positionner. Tu t'en occupes 90? Je pense qu'il va être. Oui, si vous voulez. Tiens, t'as pas de jumelles toi? Non, bah vas-y. Oh, vas-y, c'est vraiment ça. Oui, il y a Marie. Du coup, messieurs, le mécano est présent. Pas mis encore. Hop. Ouais, on répare les deux. Hein. Il y a des collègues là qui sont en train de faire des photos, des plaques d'immatriculation, des... Ouais, 10-4. Super, vous pourriez me ping dans le... Dans le MDT s'il vous plaît. Ah oui, ok, nickel. Merci, vous êtes trop efficace. D'autres agents qui ont les plaques des véhicules, s'il vous plaît, merci de les vérifier comme ce que vient de faire 11. Bon, il y a quoi dans ce code du coup, 110? Exactement. Il est derrière la gueule. T'es un flic sérieux quand t'es seul en voiture? Ouais, c'est vrai. C'est vrai ça. Zéro, il me fait le dispatch des véhicules parce qu'il y a deux véhicules qui partent. C'est chinois? Il est où? Ah, j'ai pas vu. Okay, t'es rapide, mes collègues. C'est bon, monsieur. Nickel, merci. Pas de soucis.
Excusez-moi, monsieur. La facture, je la fais à qui? Il y a un Reblack gris qui arrête pas de tourner autour de la zone. Il vient de se poster au niveau de la pompe à essence 20. Je vais le contrôler, paniquez pas. Ça marche. Putain. Il y a 4 personnes dedans, Riz. Mais bon, ça devrait aller. Si je vous fais une demande de backup, soyez prêts à venir juste. Si c'est pas déjà fait également, appelez-moi une unité médicale s'il vous plaît sur les lieux. Affirmatif. Les personnes qui restent, merci de prendre soin des otages de 1 et de 2 de prendre au moins une déposition de l'un d'entre eux. Non, ça va, ça a baissé, ça a baissé. Du coup, je réitère pour la poursuite, il y a du coup la dame 01 et la dame 48. Je prends un plein de $200. Ah, ça le gros véhicule, le blindé sur la gauche. Et retirez vos masques dans la voiture, là. Du coup, on a la dame 06 et la Tango 09 qui vont charger jusqu'à Camacho. Mais qu'en rouge, t'étais masqué, arrête de me prendre pour un camp. Tout le monde. Oui ou non? Affirmatif. Oh, ouais, c'est bon. Merci. J'aurais dû prendre la plaque, putain, j'ai pas pris la plaque. Je suis qu'un con. Bon, on pourra la reprendre plus tard. Ouais, c'est des cons. Riz? Ouais. Tu veux aller sur une poursuite ou pas? Bah ouais. Carrément. Bah je te mets en anticipation sur le Camacho, ok? Ah ouais? Ouais, ouais. Mets-moi en lead, là je me sens chaud. Ok, parce que le capitaine m'a demandé 2 véhicules par poursuite, mais ils vont avoir du mal, je pense, les 2 que j'ai mis sur le... Non, prends le véhicule à gauche en lead, ok? Ils vont te suivre avec. Le Camacho? Non, Camacho, non, c'est juste à gauche. Ok. Camacho, j'ai mis des gens chauds dessus. Vas-y. C'est parfait. Il faudrait juste quelqu'un qui monte avec moi. Est-ce qu'il y a un agent qui est en Lincoln là, qui veut monter avec moi? La Tango 09, vous splittez, il y en a un qui va avec Chris s'il vous plaît. 09, c'est compris. 10-4, j'y vais. Ok, parfait. Il attend son véhicule. Le véhicule pourquoi c'était aigri quand t'as dit j'y vais, comme si t'étais dégoûté de patrouiller avec moi? Je suis dégoûté, en vrai, c'est pas... Mais qu'est-ce que t'as? Je suis pas un bon collègue. Je vous connais pas, monsieur. Ah si, je me rappelle de vous. Bah même, je suis un bon. À la cérémonie, on m'a dit de venir avec vous. Et vous avez dit non, pas lui, non, on n'en veut pas. Ah. Très bien. Voilà. Mais non, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on m'a dit ouais, occupe-toi d'un rookie. Et moi, j'aime pas m'occuper des rookies. Okay. T'as vu là les nouveaux là qui sont arrivés là, aujourd'hui là. Ouais, je vois. Ils m'ont dit pareil. Vous pouvez déjà vous commencer. Tu vois bien qu'on est en train de parler. Ils m'ont dit ouais, occupe-toi des rookies et tout, je sais pas quoi. J'ai dit bah non, je vais pas m'occuper des rookies moi. Ouais, je vois. Je vois ce que vous voulez dire, mais voilà, c'est tout. J'étais pas un champ rookie prometteur moi. Comment tu t'appelles? Luken. Luken. C'est bien ça. Comme dans un animé genre. Non. Ça fait prénom d'animé Luken. Non mais là les deux véhicules partir d'un coup. Luken, comme on dit Luken. Luken, ça fait quand même animé. Pas trop quand même, pas trop. Pourquoi ton nez il est tout raplapla comme ça? Moi j'ai une droite. T'as fait de la boxe? C'est ça. T'étais fort? Ouais, je suis assez fort. Hein. En boxe? Pas en tout même. Apparemment, pas trop, hein, je crois. Je sais pas. J'ai envie de répliquer, mais vous êtes mon supérieur, donc je vais éviter. Ah non, mais je voulais juste voir si jamais t'avais des réflexes pour esquiver, mais apparemment, t'as pas trop de réflexes pour un boxeur. Avec mon arme en main, ça va être compliqué. Vous avez pas de réflexes, 10? Non, je vais pas vous taper, vous pourriez voilà. Pas, mais arrêtez de fois. Taper, ça vous... fait deux fois. Ça fait deux fois, il me dit que c'est un boxeur. Ah ouais, mais... C'est un boxeur? Je suis un boxeur, je suis un boxeur. Ouais, non, mais ouais, ok, super. C'est parfait, je vous fais un topo, les individus vont rapprocher 78 du véhicule. Vous partez en poursuite, la fuite, ouais. Donc s'il vous plaît, lit de terrain, okay. Vous me dispatchez déjà fêtez la c'est Luken. 3 unités sur la poursuite. Je vous suis... J'ai dispatché les FTP, vous inquiétez pas. J'ai fait dispatch des unités qui partent en poursuite. Ok, parfait, merci. Passe devant. En véhicule, s'il vous plaît, ceux qui partent en poursuite. Luken, je t'explique. Vous voyez, pendant la poursuite. T'inquiète, je te fais que des calls. T'inquiète.
Tu me connais pas, mais tu sais qu'il faut que tu me fasses des calls. Non, mais je fais ça avec tout le monde, c'est normal. T'as vu, moi j'aime bien regarder proche de moi, et toi tu me dis droite-gauche, même si ça paraît évident. Pas de soucis. Même si ça paraît évident, vraiment, parce que des fois, c'est évident pour toi parce que tu regardes à droite, alors que moi je suis en train de regarder à gauche. Pas de soucis, putain. Je réitère pour les poursuites, Adam 06 et Adam 09 sur le Cotunder, sur le Camacho, et après, ah pardon, Riz qui va prendre les poursuites sur le Cotunder, suivi de 01 et 48. 4. Si je te signe call, ok. Ah, capitaine. Oui. Il m'a dit que le monsieur s'y ramène pas les lingots. Non, mais ils vont buter son fils. Non, mais on va la tout faire pas les attraper. Il faut qu'il nous fasse confiance derrière. Ouais. Ah non, j'ai confiance en nous. Hein. Ah oui. Oui. Je peux comprendre qu'il soit énervé, mais vous inquiétez pas. Ah là, ces petites racailles, c'est peut-être un killer, on va les avoir. C'est ce que vous allez faire. Bon, alors du coup, on s'est fait menacer. Riz, si jamais tu daignes leur entrer dedans, ils vont te percuter et ta voiture va voler sur 500 mètres. Voilà. S'ils me touchent, je leur tire dans les pneus. Ouais, ils ont dit que si tu les touchais, ils allaient te toucher avec leur pare-buf et que t'allais... Je vais les coller et s'ils freinent, ils vont rentrer dans le décor, c'est bon ? Hein, Riz ? Ouais, voyons tout. La capitaine, il m'a dit t'es une grosse pute, t'as les arrête pas. Il m'a dit de dire ça. Tu montes avec qui toi, Youngfu ? Moi, je monte avec capitaine. D'accord. Mais dire quoi là, Youngfu là ? Attendez, j'ai pas entendu, vous avez dit quoi ? J'ai dit qu'il ira jouer de la flûte s'il... Non, ben pas vrai, j'ai dit ça à Riz. Non, t'as dit que j'étais une grosse pute. Non. Ah, il est dans la bagnole. Aïe. Mais pourquoi? Mais j'ai rien dit. Ok, pardon, papa. Enfin, capitaine. Papa. Ok, pardon. Capitaine, qui est mon père. Comment ça se passe du coup? Ils vont partir là? Ah, pardon. Affirmatif, ils vont partir. 78 va rester à côté du véhicule et eux, ils vont prendre la fuite. Des unités qui ont été. Tu prends lequel en face du coup? 3 véhicules sur un 4x4 et 3 véhicules sur l'autre. Donc, ça a été. Le. Pas de Camacho, l'autre. Je sais pas comment ça s'appelle, le Tenders. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ils sont en possession de 300 petits lingots d'or. T'as dit quoi? S'il vous plaît, récupérez-les-moi. C'est votre mission. Ouais, bah c'est important de partager. 10-4. Du coup, Twincy. Je te laisse rester avec ces magnifiques personnes. Quoi? Twincy, je sais pas. Quoi? Ça marche, je reste au milieu et j'attends que vous partez, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour les poursuivre, préparez-vous. C'est une lettre, c'est pas arrivé, c'est une lettre. C'est bon, 70. C'est aussi drôle de se tromper d'une lettre. Je suis gravé, de quoi? Ouais, je suis prêt. Il est fou là. Elle est allumée la voiture. J'ai droit. Ouais, je suis aigri, de toute façon, ouais, dans la vie, ouais, je suis aigri. Quoi? Moi je suis gris de fond. T'es quoi, t'es rookie toi? Je suis rookie, c'est ça. Tu verras, à force de devenir keuf, tu vas finir par être aigri. Je suis déjà là. Non, garde la fougue de la jeunesse. Quand t'es rookie, c'est le meilleur moment. T'as pas de responsabilité, t'es là, tu vis ta meilleure vie. Ouais, vis ma meilleure vie, mais j'ai mangé une mise à pied 2 heures après l'intégration. T'as fait quoi? J'étais parti sur une poursuite. J'étais un mouchoir. Et pourquoi t'as fait ça aussi? Parce qu'il y avait le commandant qui est parti et... Ouais, t'as 45. Attends, il faut que je fasse ça. J'ai baissé la qualité pour avoir plus d'FPS. Ok, c'est bon. Droite. T'as jeté un mouchoir sur le commandant? Non, mais ton pleuré, j'ai jeté par terre le mouchoir. Ah merde. De la sorte, on va se rentrer dedans. C'est si loin en fait pour moi. Et c'est bien comme voiture là, ce qu'il a là. Containers, ouais, c'est solide de fou encore. Tu sais que je suis à fond derrière lui là. Parbuffle. Bon là non, mais. C'est solide de fou. À poursuite du container, je vais essayer de pré-shot. Ok, pré-shot. Ok, pardon. Eh Quincy, comme d'hab, moi je fonce dans le tas et toi tu joues malin. 01 derrière toi. Oui, allô. Adam 09, oui, Riz. Oui, je suis le mec qui t'a niqué le plafond hier avec ton ouais, mais attends, là je suis en course poursuite là, mon grand. Car rappelle-moi après. Vas-y. Je le rappelle. Même pas, toi, téléphone au volant. Wouah, c'est des petits joueurs. Franchement, c'est des petites putes. Puis c'est toi à côté. Donc, la taille du véhicule, ils ont pas de solution. Normalement, il reste encore 6 minutes de course poursuite et c'est bon, les gars. D'accord. Tu mises sur quoi? Ah d'accord. Une mule, Moi j'aurais dit une mule. Vu la taille du véhicule, moi j'aurais dit une mule. Moi j'aurais pas dit une mule. Je miserais sur la mule aussi. Non, moi je dis pas mule, moi je pense qu'ils vont se mettre quelque part, ils vont sauter, il y aura un autre véhicule qui va les attendre. Combien dans le véhicule là? On en a faux pas? 3? 3 ou 4. Vous êtes combien les gars à l'intérieur?
Je pense qu'ils vont se garer. Tu vois, ils vont se garer. Il y aura un autre véhicule. Ils vont changer de véhicule. Imo. Après, parce que j'ai dû, vu que j'ai dit ça, parce qu'ils vont changer le plan. Il y a moyen. Hein. Ah, il s'est feinté le vieux tout seul là ou quoi? C'est beau la neige, hein. Ah, c'est super beau, hein. J'aime trop. Non, vraiment incroyable, incroyable. C'est que moi aussi. C'est incroyable. Et en plus, t'as vu, il y a de la neige, mais il fait beau. Ouais, en vrai, quand il fait trop soleil, ça fait mal aux yeux avec le quand la neige réfléchit. Ouais, t'as vu tout à l'heure que je suis venu, c'était midi. Oh, ça faisait mal aux yeux. Ça faisait mal aux yeux, mais quand il fait nuit un peu comme ça, là, un peu crépuscule, c'est incroyable. Tu veux mettre ta main sur ma cuisse? Non, je suis pas de ce bord-là, je suis désolé. C'est pas grave. Je connais des gens qui sont comme ça, c'est vrai. L'opérateur n'a pas été désigné. Non, moi non plus, je suis pas de ce bord-là, mais juste, tu me parles de crépuscule, genre tu fais le romantique. Du coup, je me dis peut-être que. Tu t'attendais à quelque chose de ma part, quoi. Non, mon gars. Non, mon gars, je suis pas comme ça. On va s'en occuper à Dame 54. Qu'est-ce que ça freine pas cette merde? Ouais, le Rebla, ouais, dommage. Ça bombarde de fou, mais pour les virages, ils sont vraiment, vraiment bien pilés. C'est un excellent véhicule. Hein. Essaye d'écouter radio parce qu'en général, faut que tu répondes toi. Moi, je galère trop à parler radio en même temps. Là, il a demandé si je reprenais le lead, il lui dit oui, même s'il l'a vu. Attends, allez. Pas de 10-20, 113 et 01, s'il vous plaît. Je fais ça tout de suite. T'as vraiment mis 6 secondes à me faire le 10-20 là? Non. Aïe, 6 secondes c'est gigantesque hein. Adam 0. C'est bon, Rock, tu calmes! Il y avait un 10-20 juste avant. Les 10-20 tu les fais à chaque tournant, t'as vu là? Un 10-20 ouais, maintenant. Chaque tournant. 9, on se dirige vers le palais de tout avec le commandant. Non, 10-20, je suis désolé. 24. Ah, t'as vu, sur ma droite, t'en fais pas. T'en fais pas. Attends, là, Madame 01, fais-en un là maintenant. On continue actuellement vers la Mesa. Quincy, tu nous dis quand tu nous as un. Bon, du pilier radio, je pense. C'est un peu compliqué là. Ok, actuellement on remonte vers Elbourg. Niveau essence, ça va ou pas? J'ai mis le plein. On repart sur. Putain, il a failli me baiser. C'est pas vrai! Le 9 sur le Camacho, on se dirige vers le tunnel, il y a possibilité d'avoir la plan mule. Direction El Bourreau. Tunnel du haut ou du bas? C'est bon, je vous ai. Tunnel du haut. Pour 01 et 113. Ouais, tunnel Manchiliade, si quelqu'un peut réceptionner de l'autre côté au niveau de Stab City. Aïe, passe, prends le lead. Prenez le lead. Faites attention, il y a un Rebla qui vous suit. C'est Quincy Khalid ou 01 là? Je crois que c'est 01. Il est parfait. Aïe, désolé. Négatif, pas de plan mule au niveau du tunnel. RS. Je reprends le lead. Je reprends. Prends le lead. Ça marche, je suis derrière, j'arrive. Madame 48, on y va, mais ça va être long. Eh, il a des pneus neige lui? Ah ouais, je pense. Hein. T'as des pneus neige toi? Ouais. Ça bombarde en vrai, hein. Vraiment, vous le sentez. Est-ce que. Je sais pas si à travers le stream, vous le sentez à quel point. Ça tombe pas et ça freine pas le Rebla. C'est moi qui conduis, tu vois, mais je sais pas. Pour les backups 10, on est 3 unités, ça suffit. Ouais? Ok. Parce que vraiment, je ne comprends pas pourquoi les gens me disent. Y'a rien, on est d'accord là. Vous prenez le lead, on est derrière. En fait, les gens, vraiment, par rapport au Rebla. Sorti au niveau de 46, du coup. Soit c'est broken, soit c'est. Soit c'est trop nul. Tombe toujours le même endroit, hein. J'ai l'impression qu'ils vont faire un truc. Ouais, il y a un plan ici. Voilà, ça se sent. Par direction Sandy Shore. C'est
Ouais, je vois l'essence, ça continue. Hein. Oh là là, t'as vu. Regarde, j'ai freiné à fond, j'ai freiné à fond. Ouais, faut vraiment, vraiment, vraiment piler des fous. Ouais. Là, y'a un plan mule là. Ouais. Tu veux prêcher? Moi, si vous faites muler. On part direction U-Tools, le niveau Comacho. Là, on détache, on essaie de flat. Plan mule qui a raté, on est toujours derrière. Ok, nickel. Okay. Tu veux l'info, il se colle. Non, c'est toujours 0-1 qui est en colle. Demi-tour sur Sandy Shore, toujours. Croisez là, tu vois le croisé. Un devant de backup. Oh. Prends le lead. Ok. Je grab seed. On va avoir besoin d'une voiture qui racole, j'ai presque plus d'essence. Ouh. Je suis à 1 km derrière. Mais là, on est sur le GPS. En fait, ligne droite avec des petites bosses. Rebla, c'est trop bien. Pour le phare. Ok. Si besoin, capitaine, AFD disponible au décollage. Ok. Ça marche 10-5 pour le moment. On est sur les rails au-dessus du. À côté du phare. 100% il va aller là-bas. C'est sûr, c'est sûr. Oh mon dieu. Ok, j'ai cru qu'il allait. J'ai cru qu'il voulait me faire ça à moi. Il va avoir une mule. 100% il va avoir une mule. Oh, ok, il n'y avait pas de mule. Doucement, mon chou. Eh, mais je me suis dit, s'il y a une mule, faut que j'y aille. Ouais, faut coller, mais bien sûr, t'as raison. Ok, c'est bon, on aura collé les 0-9. Scat, je vous suis. Je te laisse à parler tout et je vais refuser. On prend le lead, Vas-y. Troisième fois qu'on tourne ici, ok. Ça commence à devenir répétitif. Du coup, je lâche et je vérifie. Besoin de renfort sur la poursuite? Scat, c'est l'aider, il aura collé. 10-4, on arrive par le sud. Il est pas mauvais, mais je pense que son véhicule il tombe vraiment. Très mauvais CSO. Tu m'as dit quoi? Écoute. Il est pas mauvais quand il tourne en face, mais le véhicule. Oui, il tourne vraiment très mal. Ça bombarde en ligne droite, mais. Ouais. Sur le virage, c'est vraiment mauvais. Actuellement, des 56 en cours. Ok, d'accord. Désolé, on a un peu oublié de vous prévenir, mais c'est ça. Pas de soucis, merci. Merci. T'as vu, des fois j'ai des buffs de vitesse comme ça? Je sais pas d'où il. Ouais, mais restez bien derrière, s'il vous plaît. Hein. Vous l'avez vu là? Là, j'ai eu un buff d'Axel. Genre là je vais en avoir un là. En fait, attention, t'as vu sur le tournant là, faut que tu ralentisses, faut pas que t'ailles à fond, sinon tu vas taper un petit truc. Comme il a fait. Voilà. Bien vu. Parce que j'allais vraiment prendre à fond. Hein. Y'a une petite bosse, tu la vois pas, mais tu la tapes à fond quand tu vois. Ok, parfait. Ah, j'ai la haine. Ça fume et ça pue l'essence, hein, 48 derrière. Oh, vous savez, il a dit quoi, Maes? Oh! Oh! Il a dit. Me noter, je ne sais plus. Et ça, c'est vous, bientôt là. Ce que j'ai fait ou bien ce que j'ai vu. En vrai, on tient bien, franchement. Capitaine, on tient bien ce moment. On est opérationnel. On a pris les petits chemins de Grab, sinon en direction du camp des. Comment t'expliques que j'ai une réputation de mec qui sait pas conduire? Oh, hein. Ouais, ça va. Oh non, tu m'as porté l'œil. Je le sens. Je perds mes moyens. Ça y est, c'est bon. 09, on se dirige au niveau de la série. Les gars, j'arriverai pas. J'ai mes doigts qui tremblent. Ouais, je pense qu'il va. Ouais. J'ai mes doigts qui tremblent. Je me reprends. Travaille, Thomas. Une unité derrière nous, ok. Oh le loser. Bloc. Aïe. Il va bien se diriger direction son D-Shore pour 09. Bloqué qui toi? 10-4. Aïe.
Oh, c'était trop bien tenté ce qu'il a fait. C'est plombé le raté sur nous. On est toujours sur la pause. Pas mal, c'était pas mal. T'as vu les réflexes? T'as vu les réflexes ou pas? Franchement, pas mal. T'as vu les réflexes? Wouhou! Adapt 12. Oulala. Oula, il y a des coups de feu là. Ne vous rajoutez pas comme ça. Préparez-vous à être dans des chemins, mais ne collez pas comme ça. Oh, j'ai envie d'aller au coup de feu moi. C'est au niveau de le rancho, mais on s'en occupe. Pour 09, faut pas scander Lost dans 200 mètres. Ah, je peux pas lâcher. 4, on est au niveau de la cible. On passe au même endroit, les gars. Ouais, ils vont faire un plan mule 100%. Oulala. Oulala. Ah, mais là, par contre, je peux le prendre, la mule. Au niveau de l'aide du tunnel, on nous conseille aller. Non, 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 ils sont au-dessus. Plus le plan mule. Oh, mais là. Tiens, moi, j'en prendrai si jamais. Hein. Je voulais faire le tour, je me suis dit, on sait jamais si par à droite. 10-20. Non, mais pour le tour, c'est compliqué. Hein. On a été bloqué. Prenez le temps et quand vous êtes dispo, revenez, je la suis. Fais-nous des 10-20. Tu fais des 10-20 pour dire le feu. Faites des 10-20 si je peux 78. On est Pont Vagos actuellement. On va arriver à le rancho. Bon, on est sur les petits chemins de terre direction de la base militaire de côté droit. On a perdu, hein. 10-20, s'il vous plaît. 10-4, 10-4, Maïs Bank. Attention, on doit. Attention. Attends, mais tu les as? Niveau des rancho, ouais, il les a, Niveau des rancho, il les a. Tout droit. Ah, ouais, non, tu l'avais. Il est là où, 78. J'ai GPS, ils sont au niveau de. Il va bientôt passer au niveau et du... putain, de la base militaire. S'il y a quelqu'un qui ils sont au niveau de l'arène. 10-4, on essaie d'arriver, on est au niveau de la série. Ils remontent, ils sont au niveau de Davis Avenue. Ils font tour. Attends, tu vas les croiser là. Au niveau de la case, en fait, quand j'ai mon téléphone, frérot. On est à 200 mètres du pont militaire. Mais oui, je deviens fou. Faudra me dire s'ils montent à Paléto ou s'ils continuent vers le sud. Ils font demi-tour, non, ils reviennent. Ils sont devant le Belize, non? Paléto ou vers le sud? Ils passent devant le Belize, ils continuent sur Alta Street. On a vraiment besoin d'une équipe en renfort. On arrive. Wesh, quelle meurt. À gauche, là. Oh, le corbillard. Oh, là, t'as collé la voiture. Il est exactement vers les marécages. Ciel. Derrière vous, 118. Oh, je suis mort. Aïe. Notre véhicule fume, on est en train de les perdre. Ça va? Vous voulez moi les cages du coup là? Oui. Tu vas bien. Je vais rattraper en passant par la plage avant la. Ensuite, on va lâcher. Rien de cassé. Ils sont directement au niveau de la plage, de la base militaire. Faites une demande de backup, on va essayer de racoler pour vous aider. Je fais un aller-retour PDP 7-8, je vais réparer, j'arrive. Vas-y, ça marche, t'inquiète, je garde. Adam 54, on sera sur la demande de backup. En fait, j'ai all-in, je vous dis la vérité, j'ai Adam all-in. Adam 07, on a interpellé le monsieur qui était par terre. Backup, s'il te plaît. Je prends le virage à fond. Sans ça passe, c'est magnifique. Pour CD48, vous pouvez passer en radio 2, s'il vous plaît. Sans ça passe pas. Juste à côté de tout. Sur la plage. Demi-tour. Moi je me savais. Putain. C'est ta faute, ça. Je t'ai dit, tu m'as porté l'œil. Je t'ai dit ou pas que j'ai perdu mes moyens? Putain de merde. Après, les moyens, tu les as perdu bien après. Hein. Ouais, mais c'était déjà, tu sais, c'était déjà enclenché, genre. Je vois ce que tu veux dire. Je vais t'aider à deux, on va réparer plus vite. Comme neuf. C'est pour ça, Rebla, il faut une jugulaire. Mais non, mais je vais jamais jouer en jugulaire, les mecs. Enfin, c'est pas prévu. Yes. Ok, 7-8, fais-moi des calls. C'est dans le nord. Je te rejoins. Casino. Adam 06, pour radio, votre véhicule arrive vers nous. Est-ce qu'on met un 10-38? Vas-y, fais un 10-38, Je te jure, je sais pas c'est quoi un 10-38. Faut que c'est faire un blocage, quoi. Non, mais non. Aïe, aïe, mais c'est insupportable. Plus les suivre, on a plus notre moteur. Je t'ai fait une demande de backup. Super. J'arrive. Autoroute. Autoroute, le freeway. Quel encore, c'est le Camacho. Continuez 10-20, s'il vous plaît, 68. On monte sur l'autoroute test, on va bientôt arriver à prison, là. On est tellement loin. Bien devant.
190. Des fois, j'ai des montées à 200. Je comprends pas, frère, la physique de GTR, moi. T'as à combien là actuellement? 190. Ça va, ça va. C'est beaucoup mieux le nord hein, pour les courses. C'est dur. Toujours sur l'autoroute, Quincy? Ouais, toujours. Là, on est sorti au niveau du Yellow Jack. Là. Et ok. De 26 à 48, est-ce que vous avez encore un visage sur le Damacho ou une idée? Ça fait 2 minutes qu'on a dit qu'on l'avait perdu. Ils étaient actuellement, quand on les a perdus, en train de remonter vers la station d'essence qui va vers la GOH. Non, je ne pas. Voilà. Tu le vois là. Faut que tu montes. Ah, parfait. J'ai fait une demande de backup. Adam 12, 1056 sur une Telgator S occupée une fois suite à des 1031. Descente 10 shore, là on se dirige Candelost 113. Candelost, ok. À gauche. Non, Candelost c'est pas à gauche. En vrai, si t'as pu prendre à gauche et remonter à. Candelost, j'y vais. À gauche là, parfait, tout droit maintenant. Ok, je les vois. Ok. Ils remontent, ils vont vraiment quand des lost là. Ils prennent le pont. Passe devant quand des lost tout de suite. Du coup, on est au 2:30. Lost, on va arriver au niveau de la charge. Comment? J'étais à 2:30. Aucune vanne! 30, avec les bosses, ouais, c'est. Avec un véhicule assez faible en vitesse, tu peux monter assez facilement. Ils montent niveau bateau. On va arriver. Prennent à gauche. Hein, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu 2:30. Tu le véhicule qui est devant toi et tu prends. 238! Aïe! Merde! Regardez mon téléphone. Vous avez vu à cause de vous? Regarde. C'est une dinguerie! Tu prends le chemin de gauche. Il va sortir, ce serait parfait. Parfait. Là, ils sont tout droit sur la route, hein, mais ils ont coûté une balle. Attends, 78. Je commence à le perdre, hein, il est en 4-4. Il faut fermer au niveau du Hookies. Adam 09, on est juste à côté. Ouais, vas-y, on parle après, je me concentre. Il faut fermer. Non, c'est qu'on rattrape qu'on a un réblanc sur des routes. Il est sur les chemins de terre à côté du lac, là. Force à lui. Force à toi. Force à vous. On va aller se poser au Hookies. 50 pour 0-1. Toujours tout droit, le raton passe. Toujours. Je vois mal la route. Avec la neige, c'est trompeur de fond. Demande à Kouti s'il le tient ou c'est galère. 78, tu le tiens ou pas? Ouais, je le tiens. 4. Si on est pas loin derrière. On est juste derrière, on vous jure. Devant vous, normalement, le barrage. RAS sur la demande de backup niveau 2. J'aimerais trop que je puisse prendre mon téléphone et le raccrocher. Après, mode d'avion, elle ira mieux. En dessous, il va arriver du coup, Hookies là. On essaye de recoller, on était un peu loin. Tout droit, on peut bloquer le pont de la base militaire. Si parti à gauche ouais. Là. On va bloquer le. Là, tout droit sur la montagne, il est parti sur le premier pont en arrivant de l'unité qui est juste derrière lui ou pas du tout? Alors, on est juste derrière lui. On est juste derrière lui, on va bientôt arriver au niveau du tunnel du base militaire. Parfait, si on arrive à faire un 10-37 au niveau de résultat. Comme ça a été dit, je fais un rappel, 2 unités derrière maximum. Les devant, tu le vois, il est bien bien devant. C'est quoi 10-37? Attention, on va serre à droite, Kouti. Ouais, t'inquiète. Prends le lead. Il rentre dans le pont maintenant. C'est faire un barrage, je crois. Barrage fait, 54. Après le demi-tour. C'est beau ce qu'on fait, c'est beau. On le rebloque. Mettre en position. Aïe. Aïe. Vous êtes cerné, descendez. Il va reculer la voiture. On match à le barrage, ils sont trop, ils sont trop reculés, les véhicules qui étaient au barrage. Continue. Oh, va pas seigneur. Monte. Je t'en supplie, monte. T'inquiète. Tout se passe bien? Ouais. Aïe. Je vais essayer de bloquer devant. Il m'a éteint.
celui-là. Je me suis dit, lui aussi, il va fumer. Ouais, je crois qu'il fume, hein. Je suis en GPS, hein, je te fais l'école toujours, hein. Ok. Il non, c'est bon, je les vois. Pas, hein. Toujours tout droit. Hein. Qui est sur le chemin, restez. Faites un barrage la dame qui est sur le chemin de terre et qui arrive vers nous. Ok, ça parle. C'est moi, c'est le roi. Pas de faire ok, PO. Ok, tout va bien. Tout va bien. Parfait, 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 c'est beau ça. T'arrives à le bloquer, c'est parfait. Dommage. Dommage, dommage. Je vais pas prendre le lit. Fume. C'est ça que je t'ai dit, à Contender, c'est quand ça tape, ça tape. On est un petit peu trop nombreux derrière. Ouais, ouais, je te jure. C'est super fort, hein. C'est comme un combat, ça tape, ça t'arrache. Affirmatif, on décroche. Mais toujours sur Raton Pass. Canyon. Je suis derrière, je vois là. Celle qui est derrière Riz, encore une qui décroche, s'il vous plaît. On est sur le chemin, donc on continue. Pas ouais, merci, merci. Ok. Tu veux passer devant? Ok, j'annonce. C'est compliqué, hein. Tu vas le taper. Voilà. Désolé. Désolé. C'était sûr, c'est trop serré. Il a fait une prise de catch. Il a mis un RKO. Ah, j'ai essayé de le doubler. Ouais, mais c'est compliqué de doubler l'un, c'est pour ça que je le fais pas tout à l'heure. Reprends le lead Quincy. Moi je vais faire des bêtises. Et pourquoi elle a encore 8 ans celle-là? Ça y est, t'as 40 ans, arrête de faire semblant. T'es mort, ouais. Non mais vraiment. Ça me vieille de merde. Tu l'as vu la série avec la meuf de 40 ans qui se fait passer pour un gosse? La série avec la meuf de 40 ans qui se fait passer pour un gosse. C'est au niveau du pont là, je vais me mettre devant, je vais bloquer. Exactement toi. Comment elle s'appelait déjà cette dame? Non, pas Esther, pas Esther. On a le chemin de terre là. Enfin, il y a ça aussi, mais genre l'histoire vraie là. Aïe, désolé. Mais ouais, tu peux pas, c'est un contender mon grand. J'y ai goûté déjà. Eh ben nous aussi on y goûte à vos véhicules là, putain. 48 retour radio, est-ce qu'il y a des unités qui ont besoin de renfort sur les poursuites? 10-5, le véhicule fume, on est... Il y a un monde où... Et si je m'arrête, faut que je t'arrête direct parce qu'il croit que je suis seul là. T'inquiète pas, je descends, j'ai mon arme en main, t'inquiète pas. Ferme ta gueule. Oh, Marie. Oh là là, la vieille, bah se calme là. Mais pourquoi elle dit ça? Elle a pas l'air pas. Du coup, la dame 09, on se met en anticipation. Va falloir s'arrêter. C'est mieux que vous arrêtez maintenant. Alors, là, il avance. Tu me dis, hein, tu me fais un call, je descends instant. Hein. Non, non, descends pas. Je dis un mot, je descends un moment. Abricot, d'accord. Si j'ai abricot, c'est qu'il faut descendre. Parfait. Abricot. Non, non, c'est pas moi qui dis, It's over. You need to people. Abricot. Ça court pas, non. Bah non. Vous allez, madame. Levez vos mains, tout, ça va bien se passer. Ça vient de passer, monsieur. J'avais pas envie que ça finisse comme ça. Je pense que vous en avez assez fait. Baissez vos armes avant que... Donc on peut négocier. Mais négocier quoi? La cargaison est dans le coffre, prenez-la. Tu vois. Arrêtez de bouger, bordel. Et pep, toi derrière. Restez ici. On est en mouvement. Les individus viennent de s'arrêter, mais ils veulent pas arrêter de nous braquer. Vous voulez faire quoi là? Allez dans la fourrière, vous vous isolez. Demande backup. Et nous on ramène des unités, on fait un assaut et ça finit mal. Au lieu de lever les mains. Ça se finit tranquille, vous allez prendre moins pour obtempération, et voilà, c'est tout. Arrêtez-vous, tranquille, on vous arrête, on vous demande un poste. Il va essayer de partir par derrière, là. C'est pas une bonne idée, les gars. Recule. Les gars, arrêtez vos couilles. Arrêtez-vous, les gars. Vous êtes piégés, c'est tiens. Ok, avancez pas. Non, ils vont nous sortir un otage mystère, je la sens arriver. Otage mystère. Voilà. D'accord, donc si on n'a pas de photo de l'otage ou qu'il est pas sur place... Ton numéro. Comment ça, 259. 259. C'est pour ça qu'ils roulaient tout à l'heure, pour essayer d'avoir un otage en attendant. Quincy, viens leur tirer dessus, comme ça au moins ils pourront pas dire buter l'otage. Allo, 259, envoie le photo de l'otage. 259, envoie le... Les collègues là, allez voir le contender et regardez s'il y a dans le coffre... Truc.
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Eh frérot. Bah oui, mais les gens ils. Des petites salopes, qu'est-ce que tu veux? Individu qui essaye de partir à l'arme. T'envoies la photo de l'otage. Par contre, je veux bien vous ayez un otage, on va négocier avec vous. Par contre, il n'y a aucun individu de vous qui part de devant nous. Regardez. Dis-tu de revenir, je compte jusqu'à 20. À 20, je vous tire dessus. 1. Ok, c'est bon. Ouais, je te mets en haut-parleur. Si on discute tous ensemble, si on discute pas. 09, tu peux aller avec. T'étais avec qui, madame? Avec 26. Ok, c'est bon. C'est votre arme, madame. De sécurité. Ouais, ça marche. Ok. Je vais réparer ma voiture. Allô, je vais réparer ma voiture au moins. Quincy, je vais réparer ma voiture, j'arrive. Ouais, vas-y. Attends. Non. Des unités qui se rendent sur le dernier code. Franchement, je vous la vérité, hein. Elle a dans 12. Sludena, je la porte dans mon cœur, c'est comme une cousine éloignée que j'apprécie, tu vois. Mais Marie, non. J'en peux plus. C'est trop bizarre parce que, tu vois, elle est mignonne parce que c'est une petite. Et wesh, quand j'imagine la grande Sludena. La grande Sludena, bien 40 ans en train de... Ben non. Je peux pas. Frérot, elle a connu Miguel, elle a connu Kenan, frérot, elle a connu Yanis Abdouben. De plein fouet, quoi. 45 Reaper, Marie, s'il te plaît. Ce qu'il fait, c'est comment tu lui parles. Non, en vrai, ça va, je lui parle normal. Mais putain, oh là là. On est bien sur la poursuite. 10-4, les individus se sont arrêtés et apparemment, d'après ce qu'ils nous ont dit, ils ont des gars, eux, qui ont des otages. Otage mystère. Oui, bah ça n'enlève rien, moi aussi je peux jouer avec l'otage mystère. Et du coup, sur le code, c'est là où on est. Juste au cas où, comme ça vous avez la position. Tu veux passer? Non. Sans réfléchir à si je passais derrière, mais. Quoi? 01, tombe pas dans son piège, elle a 40 ans. Mais arrête de faire ça, toi! Tu veux aller dans la tour, un peu de brook? 01, ne tombe pas dans son piège, je te promets que c'est une adulte. Ah, c'est un enfant. Non, c'est une adulte. C'est une adulte. Je te promets que c'est une adulte, 01. Comment tu fais ce genre de truc si tu fais ça? T'as dit quoi? Marie, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu manques l'exemple. J'ai tout pris, je les ai sur moi. Mais je ne vais pas tomber dans ton piège, Marie, je sais que je suis à 40 ans. Mais j'ai pas 40 ans, gars, je suis 15. Oui. C'est quoi? T'as vu l'histoire de la naine qui s'est fait adopter? Oui. Et moi, je m'appelle Curtis Merriweather et je suis en 2005. Menteur. Bah si, regarde, je te montre ma carte d'identité. Non, tu t'appelles Reed. Non, regarde, il y a marqué Curtis Merriweather et je suis né en 2005. Attends, Reed, t'as vu sa photo ou pas? On en a 150, à mon avis, ça a été split dans le Camacho. Remonte. Elle est tellement petite qu'elle rentre pas dans le... elle est petite parce que elle est atteinte du syndrome de nanisme, qui n'a rien à voir avec le fait d'être un enfant. Il y a vraiment 300 dans le contender, apparemment. T'es une dingue. Non. Je crois que le butin total c'était 300, hein. Oui. T'as pas pris de lingot, toi, Riz? Non. Peut-être qu'un collègue a pris et a oublié de le dire, j'en sais rien, mais trouvez-moi ces 300, s'il vous plaît. 10-5, je suis la seule à avoir fouillé et personne ne les a, la deuxième personne qui a fouillé c'est 10. Hop. Il manque du butin, là. À ce bout-là. Du véhicule, si jamais. Ah, moi j'ai 50 sur moi. Le reste est je suis dingue de pas y avoir pensé tout seul, putain. Et vos collègues, ils en ont pas encore un petit peu? Non. Rien du tout, même les deux à droite? À gauche plutôt? Non, moi j'ai rien non plus. Ok, donc là on est à 200, il en manque 100. On va résoudre l'enquête ensemble, je crois. Hein. Ouais, tiens déjà. Je te jure, c'est Elodie Costa. Cool. Arrête tes bêtises, Elodie Costa. Casse les couilles. Arrête, Riz, pas sérieux. Mais Marie. Marie, tu. Marie, j'ai un collègue à moi. Il s'appelle Kenan. Kenan Seguin, tu vois. Kenan Seguin. Ça fait au moins 8 ans que je l'ai pas vu. La dernière fois que je l'ai vu, il était à Liberty City et il a braqué une banque et il est parti en bateau. C'était il y a 8 ans. Et il m'a dit, à l'époque,
Il y a une fille, elle s'appelle Marie, elle a 10 ans. J'ai 7 ans et demi, je suis née le 8 février. On est le 8. Dans 2 mois, c'est mon anniversaire. Oui, dans 2 mois, tu fais tes 33 ans. Non, mais 8 ans. Ah non, elle fait ses 29 ans, je crois, exactement. Mais ferme ta gueule là. T'écoutes. Non, on peut pas faire des boules de neige tranquille. Vous pouvez aller tranquille faire des bonhommes de neige là et occupez-vous de vos culs. J'attends d'avoir la photo, si j'ai pas de photo. Tu te rends bien compte que c'est une adulte. Ah mais il bluffe. Aïe. C'est une enfant, regarde, elle fait 2 pouces. 09, ils bluffent en face, hein. Ils ont pas d'otage. Hein. Bah oui, c'est sûr. Ils sont en train de bien appeler pour avoir le otage. Hein. C'est ça, 259 est ton numéro, les flics. Là. Ouais, c'est ça. Bon, je te dis, ils ont même pas encore d'otage. C'est pour ça que j'ai dit que dans 2 minutes, si j'ai pas une photo de l'otage, on les arrête les gars. Même pas dans 1 minute, il est 22. Là, ils ont dû envoyer leurs collègues pour aller chercher. Là, ils sont en panique, les collègues. Vite, trouve un otage, vite. Mais non, vous pouvez vous reculer un peu s'il vous plaît. Oppressant là quand même. Est-ce que ça marche IRL ça? C'est pas vous qui décidez, hein. Aussi. D'accord. Ouais, mais vous êtes quand même oppressant. Non, non, mais vous êtes pas du tout en position de force là, messieurs. Oui, vous, c'est pas vous qui décidez non plus. Il est toujours 22. Oh, je suis attaqué. Il arrive, vous savez, on est pas très riche, on a des Huawei, ça met un peu de temps. Ouais. En plus, on est dans une case, ça capte pas très bien ici. Bientôt 23. C'est qui Ice? Si je me rappelle bien, c'est la personne avec les petites tresses et les bandes blanches, enfin les pointes blanches. Ou... Henri, c'est bon, on arrive sur les lieux. Dans le Camacho. Dans le 4x4, je sais pas ce que c'est comme marque. Ouais, c'est mon ancienne. Ouais, c'est pareil. 22. 23. Mais emmenez la petite loin de tout ça là. Et 23. Et les capitaines, monsieur. Où ah, pardon. Comment tu parles au capitaine, toi? Excusez-moi, monsieur. Capitaine. La photo est en cours. Ah, la photo est en cours, oui, je suis bien d'accord. Maintenant, c'est pas le téléphone qui fait l'envoi, c'est le réseau. Vous captez bien la 4G là? Je capte très bien. Bon, ma gentillesse va vous accorder 24, mais vraiment. Quincy, c'est le gentil flic, moi je suis le méchant flic. Moi je suis entre deux. Vous voulez pointer? Non, bah vous pointez. Vous êtes sûr de vous par rapport à l'otage ou pas? Mais l'otage, la photo arrive, je suis désolé s'ils sont lents. À l'instant où je vois. S'il les cherche encore. À l'instant où je vois 24 sur mon heure, Quincy. On les entoure. Bah ouais là. Ils mettent les mains sur la tête ou alors on fera feu. Attention, il y a un véhicule blanc qui tourne. Ou il y a un événement en ville pour prendre un otage, là, je sais pas. Ah, on m'appelle. Allô? Allô? Oui, ouais, dites-moi. Ok, je vous propose un truc. Ah, il est 24, allez, mettez vos mains en l'air. Mettez vos mains en l'air. Mettez vos mains en l'air. Mettez vos mains en l'air, on va ouvrir le feu. Mettez vos mains en l'air, dépêchez-vous. Dépêchez-vous de mettre vos mains en l'air. Dépêchez-vous de mettre vos mains en l'air. Arrête. Dépêchez parce que sinon tes collègues ils vont se faire arrêter. Arrêtez. Mettez vos putains de mains en l'air là, en évidence, dépêchez-vous. Dépêchez-vous de mettre vos mains en l'air. Arrêtez. Allez. Il est au téléphone. Il est au téléphone. Mettez vos mains en l'air, arrêtez de gigoter là. Il est au téléphone. Il est au téléphone. Je m'en fous, je m'en fous. On a dit 24. Recule. Recule. Dernier avertissement. Recule. Dernier avertissement. Recule. Je recule, Quincy. La photo. Ça va partir en couille. Ok, baissez vos armes. Recule. Quelle est cette photo là? La photo d'un otage qu'ils ont du coup à l'extérieur. Oui, l'otage que vous avez eu le temps de prendre depuis le temps. Oui, l'otage mystère. S'il vous plaît. Il reste au portail, l'otage s'il vous plaît. Mystère, c'est tout. C'est ça, très c'est bien. Là, ok, les photos c'est bien. Merci. Moi je veux des preuves matérielles. Mais écoute, maintenant. Okay, fusil à pompe, il en a tué déjà, c'est pas toi qui me fais peur. Hein. D'accord, mais. On la part comme ça, vous voulez ramener du matériel? Bon, on va ramener du matériel. Ouf, là oui. Oh, parfait. Oh là là, ça va jouer à ce Marie, dégage! Dégage! Écoutez, ce qui va se passer, ça va être simple. Écoutez, j'ai reçu la photo, d'accord, on va vous laisser encore un peu de temps. Vous allez ramener l'otage sur place et je vais identifier l'otage. Parce que là, un otage, oui, comme je suis devenu gentil parce que. Visage, maintenant, votre collègue, ça peut être votre tante, ça peut être qui. Si je peux t'appeler Kouma, bien sûr, parce que maintenant je t'appelle Hamid. C'est un otage masqué. Et si vous avez la colère derrière, vous dites lui de se casser avant qu'elle soit arrêtée par nos collègues. Il y a un oracle derrière la casse, faites attention. C'est entendu. Komoda et oracle, deux véhicules derrière. Attends, collègue. Écoutez-moi bien, messieurs, je vais pas vous le répéter deux fois. Vous éparpillez pas, vous faites pas prendre l'otage. Vous courez et vous montez dans l'oracle, la Komoda, on fera feu. Non, ils ont des otages. Les murs, ils peuvent pas les sauter ici. J'ai dit quoi? Ils peuvent pas sauter les murs ici. La photo, ouais. Elle est en cours de. Ils peuvent pas sauter les murs ici. Il la traite plus. Ouais, mais de l'autre côté, si, à droite, ils peuvent, je crois. Non, ils peuvent pas. Sur le bois, ils peuvent. Attends, je vais essayer en scred. Tu vas essayer quoi?
Ah non, ils peuvent. Ok, j'ai rien dit. Attention. Je suis bloqué, 113. Oh, fais le tour. Pas de gestes brusques. On vous a à l'œil. D'accord. Oui. Tu veux pas leur tirer dessus, là? Moi, je pense que c'est faux, hein. Baissez vos armes. Ils sont armes pointées. Mais il... Mais attendez, mais c'est... Mais 113. Ils peuvent sauter, ils peuvent tirer leur dessus, dis-leur que t'as pas fait exprès, on les abat et ça y est, on passe à l'autre. Non. Je te défendrai, Youngfu, je te défendrai. Tu me défends, t'es sûr? Oui, je dirais il avait pas mis son sécurité. Tu prendras la mise à la pied à sa place, alors. Un, deux... Ah, mais je dis après un blâme, en plus, là. Ah oui, t'es plus à ça près, allez. Ah oui, c'est bon, j'avoue. Me chauffe pas, arrête. Putain. Ok, tu viens, on est ramené l'otage, tu vas rentrer gentiment avec la Como dans la casse, avec l'otage à l'intérieur. 78. Tu vas voir, il y a plein de flics. Moi je dis c'est pas comme ça. Ok, la Komoda, les gars, il y a l'otage apparemment. Pas comme ça de quoi Les gars, c'est pas grave. Facile. Je vous jure, c'est pas grave. Ce n'est plus un container, c'est le Komoda. Donc moi je suis à Los Santos. Je vous promets, c'est pas grave. En poursuite, j'appelle mon gars à Londres, qui prend l'otage quelqu'un. Non. Non. Je suis d'accord avec toi, Quincy, mais. Par contre, il y a une Komoda grise qui va rentrer. Regarde, oui, il y a la Komoda qui rentre. Écoute-moi, capitaine. Elle vient d'arriver, la Komoda. Si jamais il monte sur la Komoda pour s'enfuir, je crève les pneus. Oui. Ok. Si moi, je crève leurs yeux, moi. Non, non, même s'ils nous ont rendu l'otage, je crèverai les pneus de la Komoda. Mais s'ils nous rendent l'otage, attends, les chats, c'est pas l'otage avant. Oui, oui, après, genre quand ils vont partir. Ouais, j'ai peur de la Komoda. Bien sûr, oui, attends qu'ils partent avant. Ah, si, arrête, si. La Komoda, ça va. Viens avec les jambes. Komoda, c'est jugular tir. Du coup, décline ton identité, s'il te plaît. C'est lui votre otage? Mais. Ouais, c'est moi. Capitaine, je peux mettre une herse? Non. Oh, on peut jamais rien faire, capitaine. Non, mais vous nous le direz dessus, sinon j'ai pas envie que ça parte au bon sens. On les éteint. Bah oui, mais on a la LSPD, man. Oui, bah on va pas mettre des herses à tout coin de rue. Oh, on peut jamais rien faire. Fou. Sur la voiture si elle partait trop vite. 2 ans. C'est déjà bien, non? Oui, merci, capitaine. Oh bon, 2 ans, si vous, si vous pouvez éviter de faire ça, faites-le. Okay. Comment ça, 2 ans? J'ai dit, je sais pas, c'est qui. S'il y a besoin, j'ai l'hélico pour suivre, mais je vais éviter ça quand même. Enchanté, la BMF. Ouais, enchanté. La BMF, la BMF Lewis, les Ronnie. C'est la BMF, là, revendiquée par la BMF. BLM, mes frères. Sa mère. Voilà. Je lève le poing. Bon, BFM TV, c'est bon, on peut y aller ou pas? Bon, là, ils ont l'otage. Du coup, écoutez. Bam. Métro. Ce que je vous propose, du coup, c'est de rentrer dans la Jules. Voilà. Dans quoi? Métro. Je prends la Komoda. L'otage de cours à côté, je prends 4 des méga, je vous en laisse un et voilà. Et attends, bah on va faire ça toute la soirée. Là, si jamais tu refumes, tu vas t'arrêter et demander un otage mystère au réseau des gangs. Ah oui, c'est ça le vice. Malheureusement, ce n'est pas un contender pour vous, là, c'est autre chose. Bah, raison de plus pour qu'on te laisse pas partir. En fait, t'es un zinzin. Alors, c'est quoi le bail, non, hein? Alors, écoutez-moi. Déjà, vous avez dit 2 personnes de votre groupe, pas une seule. Ok, 2 si tu veux. On va pas changer les termes. N'échangez pas ce que vous avez sur vous, en tout cas, vas-y. Genre, madame, par exemple, lui donnez pas votre arme et rendez-vous pas, quoi. Ça serait con. Ah, mais messieurs, vous êtes tombés dans notre piège, vous avez ramené l'otage, super, ça fait plaisir. Maintenant, on va récupérer l'otage, on va vous baiser. À partir du moment où vous avez voulu braquer un convoi où il y a des agents des forces de l'ordre et que vous faites baiser derrière, c'est fini pour vous. Bah ouais, sinon là, ça les fait otages, beaucoup d'infini, otages, un otage qui est à New York, ça, on a été très gentil là-dessus. Par contre, je vous le dis, c'est la dernière fois. Hein. Prochaine ok, fois, vous avez été gentil, c'est la dernière fois, maintenant c'est fait. Donc ça n'a rien de parler. Oui, c'est pour ça, vous allez rendre l'otage. Avec ce que vous allez voir, vous allez vous barrer. Et après, force à vous. On dit merci quand on est gentil déjà. Mais force à vous. Moi, je vais crever les pneus de votre Komoda. Non, tu vas pas crever les pneus de la Komoda. Bon, dans tous les cas, là, on va. Oui, c'est pour ça que je reprends. Écoutez. Là, vous allez monter dans votre Komoda, l'otage va vous suivre à pied, ok? Il y a 2 de vos collègues, du coup, qui vont rester avec nous. C'est ça. Et vous allez vous barrer dans votre Komoda. Ça me va. Moi, ça marche, va. C'est bon? C'est tout? C'est 50-50, voilà. Ok, très bien. Ça marche. Oui, mais après quoi? On va les arrêter, ils vont rappeler un otage, petit. Si on les appelle un otage, on les abat, c'est tout. Ouais, c'est bon. Là, ça y est, là. Je veux pas mourir, moi. Moi, mais... Moi, vas-y, prends-moi et ça. Il me faut 2 unités, non, une unité qui s'occupe de l'otage, s'il vous plaît, et des 2 mecs.
On peut jamais rien faire. Du coup, et venez, on les a pas. On peut pas, Riz. Une unité qui reste pour l'otage et une unité qui ramène les deux individus au poste. On peut jamais abattre les criminels. Tu comprends, toi, dommage, ça. Même moi. Bah, peut-être c'est fini. 10-4, faites-nous un 10-20. J'arrive à m'occuper pour amener. Et Marie, casse-toi. Je suis en patrouille avec Quincy et Charlie. Le véhicule, on le prend en poursuite ou pas? 10-4, bien sûr. Ah, c'est lui. Ah, ben monte à l'arrière alors. Ah, faudra que vous m'expliquez comment vous faites pour avoir des voitures comme ça, je veux bien la même. Bah oui, non, mais je les achète au process. Oh putain, oh, maintenant on n'a pas le droit de faire ça. T'inquiète, parce que moi je suis de la GND, faut que tu viennes à la GND. C'est vrai? Bah ouais. On va créer la brigade de la BCC. Si on fait la tango de nuts, on a le droit, non? Bah ouais, enfin tentez quoi. C'est bon, allez, c'est validé, je vais vous prendre des blabs aussi. Merci, le lieutenant. Moi, franchement, à votre place, la BCSO, je demanderai au gouvernement. Une brigade et vous prenez que des voitures de kéké. Mais tu sais, genre des gauntlets, des trucs comme ça là. Ah, merde, attendez, désolé. Oh, quoi? Ah, y a une barrière. Aïe, solide cette barrière. Ouais, solide. J'ai 07 également. Je suis avec toi, 78. Ça marche. La barrière elle est plus solide que. Tu veux prendre le lead ou tu veux prendre le lead? Non, y'a Quincy, on va le laisser prendre le lead. Quincy, on va le laisser. Solide que je sais pas, faites une vanne dans le chat. Je vous laisse faire. J'en ai marre de faire des vannes, j'en ai marre de vous divertir. C'est vous qui allez me divertir aujourd'hui. Voilà. Ils vont descendre vers le sud, hein. Donc en vrai. Moi j'aurais déjà posté des unités faire un barrage autoroute sud. Attends, c'est quoi ça? Épinglé, on est des clowns. Envoyer quoi? Ouais. Ah, mais Komoda dans le sud, c'était sûr. Komoda dans le sud, je suis finito. Non, par contre, la Komoda sur la neige glisse, hein, donc c'est. Non, mais il va zigzag. Comme... Il va zigzag dans les petites rues. C'est vrai, mais après, vu la révolter de fond. Non, c'est pas une révolter, c'est un autre truc. Une stone, une. Ouais, comme ça, une store. Mais non, mais. Vous êtes trop con. Faites des blagues en mode par rapport à. Elle est plus dure qu'eux. Deux véhicules en arrière. Airport This Way ou Dribble Man. Bah, la vitesse. Y'a eu une bosse. Regarde, je ralentis Quincy, pourquoi je ralentis? Je ralentis pas, moi, là. Mais moi, je ralentis, moi. Je ralentis pas. Mais je suis à fond. Y'a pas de ralentir. On a envie avec nous, donc même si on les perd ou quoi. Prends le lead, garde le lead. Il va aller tout droit, regarde, je te préviens, il va aller dans le tunnel, il va aller sur le tunnel pour se mettre en rue aussi. Mais ça va trop vite, je suis à 200. Des fois je fais des pics à 200 et en fait non, c'est parce que genre, là c'est autoroute, il y a vraiment vraiment beaucoup de boss, du coup tu peux monter vraiment beaucoup plus. C'est marrant la gravité quand même, hein. Prends des boss, ça me fait accélérer. C'est incroyable. Pas de véhicule d'anticipation. Pas de véhicule parce que je suis en Ori au-dessus. Vous êtes combien à votre véhicule 78? Je suis tout seul, je crois. Et Riz? On est deux. On est temps, non? T'as dit quoi? C'est ça le souci du Reblor. Dommage. Ils sont montés. Ok, donnez-moi au jus. Street, à droite. On sort côté est. Droite, continue. À gauche sur la tête. Ils vont sortir. Ok, ils sont partis de Del Piero. Oh, je suis okay, dead. Ils sont loin là.
Oh la reprise, oh mon dieu. Non, non, la reprise sur la neige en pente comme ça, c'est horrible. Oh là là. On est 3 unités derrière, c'est inutile, faut... Ouais, je vais m'anticiper. Ouais, go anticiper en vrai. Si on anticipe, c'est incroyable. Ok, ils tournent, ils sont sur... Ok. Je vais anticiper Quincy parce que moi, de toute façon, je peux pas suivre avec le Reblin. Je galère trop. Ça marche, t'inquiète. On monte, on sort... Vas-y. Attends, vas-y, tu peux anticiper. Non, côté ouest, toujours. Dommage. Bien joué, ça. Essaie-toi juste de le tenir le plus possible, comme ça moi je me fie à toi sur le GPS et je tends des trucs. Ah ouais, t'inquiète. T'as besoin de 10 euros ou pas, Riz? Non, c'est bon. Centrez-vous pour pas le perdre. Il est en train de préparer un plan là. Je suis derrière toi. Ok. Souvent les gens comme ça ils utilisent les mêmes plans à chaque fois. T'as vu le plan de tout à l'heure, le plan mule? Ouais. Ils vont sûrement faire la même chose. Donc s'ils se dirigent là-bas, on prend, on pré-shot et on tue pas. Quoi? Ok, ils sont sortis encore. Ouais, ils sont sortis. Putain les bâtards. On sort direction est 07. C'est quoi ça? Il y a des feux d'artifice. Il y a des feux d'artifice, ouais. Ok, ils vont tourner sur toi là, tout droit. Attends, tout droit, tu continues. Ok, non, ils continuent tout droit. Au niveau Adam Boulevard. Ok, ils vont vers l'Olympic Freeway, à côté du Unicorn. Ils passent devant. Ok. Ils sont Davis Avenue. Ils retournent. Ok. Attends, il se passe quoi? Davis Avenue toujours. Tu reprends 78? Ouais, je te dirai quoi, je passe devant. T'as vu l'endroit où ils vont là? Comme je t'ai dit. 10-50. Oh. Ça va aller? Ah non, putain, c'est Quincy qui a fait une 50. Non! Garde le lead. Attends, on a Henri, hein, ils sont. J'arrive. On les perdra pas, à part s'ils passent sous un tunnel ou quoi, et là ce qu'on peut faire c'est crasher les tunnels. Je vais sur son unicorne. Ouais. Je vais pas lui mettre un. C'est bon? Pas encore, mais j'arrive. Je vais mettre un. Attends, à l'intérieur du unicorne, on ressort. Ouf, j'ai 50. Moi, 50. Aïe. On se met derrière. Ça va. Non. Ah ouais? Ouais, non. J'ai pas vu. Mais... Non. J'ai pas vu. Oh. Adam 54, on se rend sur la backup. C'était passé quoi, Quincy? Non, c'est moi, 10-22. Ah, 10-4. Du coup, 10-5 du dernier call. Hein, Quincy, c'était okay, passé quoi? Une Adam qui décroche, s'il vous plaît. 06, on décroche. Tu dis, c'était passé quoi? Je suis passé au travers. Non, elle a fait pas trop, parce que des fois il y a vraiment des bugs de D5. Est-ce pas parce que juste avant ça a été chiant que c'est des mecs chiants tout le temps, tu vois? On connaît les joueurs, on sait que c'est pas des fils de pute, tu vois? Commencez pas à devenir un peuple de chialeuses. Ne devenez pas comme ça. En plus, si lui-même Quincy nous dit. Il nous dit que. Il y a rien. Sinon, vous inquiétez pas, on l'aurait éteint. Il est bon. Je le défume, Quincy, ou... Je sais pas. En vrai, je pense que je vais le tenir, hein. Donc tu peux, c'est comme tu veux, c'est toi qui vois. En vue de l'accident, on pouvait, en vrai. Je fasse Riz. Riz. C'est bon, c'est fait. C'est bon, c'est fait. Ah.
pense. Je vais me remettre en anticipation du coup. Hein. Moi oui, moi oui. Ils sont Movistar, ouais. Ok. Retourner sur Rockford Hills, là, ils vont passer devant le PDP. Dorsal Drive, ils redescendent. Ah, ils sont. Oh, okay. Ils sont pas les mêmes avenues, ils descendent vers Little Seoul. Direction Little Seoul, vraiment Little Seoul. Ils tournent, ils tournent, ils tournent. À ta droite, ouais, ils sont en bas, ils vont Vespucci Boulevard. Merde, 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 merde. Toujours dans le petit secret de Vespucci. Victor, attention. Tu veux le bas, ok, ok, attends. Il se passe quoi là, vous êtes arrêté? Non, c'est pas ta faute, 01, c'est pas ta faute. C'est pas grave. Ok, ils sont à ta droite. Attention, attention. Ok, faut que je garde le véhicule. Ok. Aïe. 01, 113, pardon. Vas-y, garde le lit le temps que tu reviennes. On l'a et suivez nous, on va pouvoir le tenir longtemps. Une noire, il part, il part, il part. Au vu de notre véhicule, ça faut qu'on tienne le temps qu'il raccroche. On est au-dessus de Woury si jamais. Ok, il est parti. Hein. Il fait quoi, Quincy? J'arrive. Il y a un mec qui est parti à pied en fait. Et ah. Les autres, ils ont récupéré la voiture. Il a récupéré, hein. J'ai pas pu le prendre. Oh là parfait. Hein. On reste derrière, on prend la suite du KIO. Ça freine pas cette merde, ça freine pas. Avec la neige c'est compliqué. Ah mais même le bas je crois que ça freine pas le grip là. Désolé mon grand. Ah. Il veut aller dans les canaux Rizan. Canaux. Tu l'as vu il est derrière. Dommage. Tu veux changer. Il est sur moi Quincy, toujours au même endroit. Ouais, t'inquiète, je suis là. On va. On vient vers toi. Après, il rentre. Aïe, merde. Ouais, il a bloqué. Il a bloqué vers le côté, Riz. Ouais, dommage. C'est dommage. S'il passe en bas, Préchat, tu vas à gauche. Non, c'est un fiacre. Ok, non. Ok, c'est bon. C'est un cul-de-sac ici? Non, c'est pas un cul-de-sac, non, il peut sortir. Klaxon en plus. Y'a aucun véhicule à l'horizon qui attend. Hein. Elle est longue cette course poursuite, hein. Bon, j'ai l'impression que j'ai passé ma. Mais oui, j'ai passé ma soirée à la course poursuivre. Clairement. Il a commencé à quelle heure le braquage du. Du coup on voit les mecs. J'en sais à quelle heure j'étais à 23h et quelques. On va l'avoir de toute façon. Oh, c'est moi ouais. Oh merde. C'est vraiment une catastrophe. Depuis petit on me fascine, faut délover pour les filles ou elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai des crocs, ils veulent ma peau mais non pas une.